Bonjour, vous êtes nombreux à me regarder sans être abonné. Regarde comme ça rend triste cette licorne. Alors pour sauver les animaux magiques, abonne-toi à la chaîne. Et en plus tu me feras vraiment plaisir. Merci. Waouh. Oh non. Waouh. Ah. Oh le coquin. Waouh. Un énorme merci à tous les membres hors de la Super Max Family. Bisous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, incroyable et très spéciale puisque nous allons faire Poppy Playtime officiel sur Roblox. Donc c'est une version gratuite, hein, bien sûr, tout le monde peut jouer maintenant à Poppy Playtime. Ça s'appelle Poppy Playtime Forever. Ça vient tout juste de sortir. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer. Yeah. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une nouvelle manette de ma collection de manettes. Vous le savez, je collectionne les manettes. Ces derniers temps, je vous en ai pas montré beaucoup. Mais là, fallait que je vous montre cette manette qui vient de sortir. C'est la Dream Vapor. Et il existe déjà la version bleue, c'était je sais plus la Shadow Vapor ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Magnifique manette de Xbox, bien sûr, avec du bleu et du noir, avec un effet comme ça de vapeur, hein, tout à fait, mais qui est aléatoire, c'est-à-dire que chaque manette est unique, les motifs sont uniques, ils font ça en usine, hein, donc je pense que à chaque fois les tourbillons sont pas au même endroit, le noir est pas au même endroit, etc. À l'arrière, elle était comme ceci, donc elle est vraiment magnifique. Très content de mon modèle. Et ici, eh bien, c'est un peu la même chose mais en modèle rose, en version Dream, donc avec du bleu aussi, on le voit, du noir aussi, du gris plutôt, je sais pas, du violet. En tout cas, quel modèle vais-je avoir? Attention, j'ouvre la boîte. Ouh, magnifique, regardez-moi cette beauté. Bon, bien sûr, ça vient toujours avec des piles, pas de batterie, dommage, mais en tout cas voici la manette Dream Vapor. Alors c'est marrant, j'ai un point commun avec ces deux manettes, c'est que ici, entre le D-pad et le joystick droit, eh bien il y a une zone sombre ici et là. Donc elles se ressemblent finalement. Bon, pas du tout, c'est pas la même couleur, mais en tout cas regardez, magnifique. Bon, la balance des blancs fait un peu n'importe quoi, mais regardez, c'est super joli. On voit les traces de bleu ici, un petit peu de violet. J'adore, bien sûr les boutons sont roses pâles, au-dessus c'est rose pâle aussi, et à l'arrière c'est violet au niveau des grippes, comme ça, il y a des grippes en caoutchouc, donc ça c'est très agréable au toucher. Bref, j'adore ces manettes-là, cette collection est magnifique. Qu'est-ce qui manque? Du vert peut-être? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la bleue ou la rose, et maintenant, back to the video. Et maintenant c'est l'heure de lire trois commentaires d'une vidéo précédente. Les commentaires de cette vidéo, c'est la vidéo du mode incroyable de Victor sur Granny chapitre 2. C'était trop fun. Le premier commentaire vient de Ibeka Memirona qui me dit: salut Max, Victor a fait un boulot de malade. Granny est tellement folle de toi, on dirait qu'elle a mangé de la moutarde pour être en feu comme ça dès qu'elle te voit. Enfin bref, super vidéo, j'adore toutes les petites références à l'univers de ta chaîne. Nadège dans la douche, ça m'a tué. Merci pour ton commentaire, et c'est vrai exceptionnel, hein, ce mode, tu l'as dit. Il y avait tellement de petites références, les cassettes vidéo Spice Girls, les livres Harry Potter, Nadège dans la douche, j'en dis pas plus, allez voir la vidéo pour voir toutes les références. Vraiment merci Victor encore pour ce mode complètement foufou, unique en plus, hein, il n'en existe pas deux comme ça puisque c'est toi qui l'as fait, et il est à mon image et à celui de Nadège Candle et de la Max Family. Donc voilà, je suis content que vous ayez vu toutes les petites références, et merci encore Victor d'avoir passé du temps à faire ce mode incroyable, on adore. Le deuxième commentaire vient de Bagarre Victoria HD9ZX qui me dit: salut Max, ça fait longtemps que je te regarde sans pouvoir te suivre, et maintenant je fais partie de la Max Family et j'adore ce que tu fais. J'espère que mon commentaire va passer dans ta prochaine vidéo. J'adore ta joie de vivre et ton humour. Continue comme ça. Merci pour ton commentaire. Ça fait super plaisir de voir que tu as pu faire un compte et t'abonner. Puisque pour rejoindre la Max Family, c'est très simple. Il suffit juste de s'abonner à la chaîne. C'est gratuit. Vous vous abonnez, vous activez la cloche pour recevoir les notifs et vous faites partie instantanément de la Max Family. Vous êtes pionnier dans la création et dans l'évolution de la chaîne. Donc merci, merci du fond du cœur à tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup. Et le troisième commentaire vient de UserNee9VVRE qui me dit: coucou Max, j'ai un truc de dingue. Developer a sorti une version 1.2 sur Granny 3, je te dis tout, ils ont ajouté le mode Nightmare et c'est effrayant. Voilà, bye bye, merci pour ton commentaire. Et oui, je le sais, je l'ai déjà faite cette vidéo, elle est sortie, j'ai déjà fait le chapitre 3 de Granny avec le mode Nightmare, donc voilà, j'ai sélectionné ce commentaire pour vous dire n'oubliez pas d'aller voir les vidéos qui sont sorties. Des fois YouTube ne vous propose pas les vidéos que je sors, mais j'en sors 3 par semaine, donc si vous n'avez pas vu 3 vidéos par semaine, eh bien c'est que YouTube ne vous l'a pas proposé, donc allez sur ma chaîne, regardez toutes les vidéos qui sont sorties, rattrapez votre retard, j'ai fait Granny 3 en mode Nightmare, et c'est vrai que ce mode est complètement effrayant et super bien fait. Merci du fond du cœur pour tous vos commentaires, n'hésitez pas à laisser des messages en dessous de la vidéo, des questions, des remarques, des suggestions de jeux, allez-y, je les lis tous, merci à vous. Et si vous voulez aimer cette vidéo, n'oubliez pas d'exploser les likes, il y a un tout petit clic pour vous, cliquez sur le pouce vers le haut, et maintenant, générique. Allez, c'est parti, je lance le jeu, ça se passe sur Roblox, ça s'appelle Poppy Playtime Forever, on y va, let's go.
Nous voici dans Poppy Playtime Forever avec un Huggy Buggy de qualité. Il est très beau, donc c'est la version officielle. Tout ce qu'on voit est officiel. Ça n'a pas été fait par l'équipe qui a développé Poppy Playtime, mais ça a été supervisé par eux. Vraiment, bravo. Regardez, waouh, on est dans le lobby et le lobby, c'est le Playtime Superstore. D'accord, on n'est pas dans l'usine, on est dans le Superstore, donc l'énorme magasin où ils vendaient tous les jouets. Quoi, on peut interagir avec ça? Qu'est-ce que ça fait? Ah, on peut acheter des pendentifs, des accessoires en fait, d'accord, pour se customiser. Bon, c'est normal, hein, dans... waouh, on peut courir. Je peux éteindre la lumière, je peux sauter. Waouh, je peux jeter les petites boules. Wouhou, waouh. Donc il y a des poubelles. Oh non, le pauvre dino. Ok. Donc on est vraiment dans le grand grand magasin, hein, le centre commercial officiel de Poppy Playtime. Donc on a un mode de création où on peut créer soi-même les niveaux. Je vais pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui je vais faire l'histoire, le chapitre. Et on peut jouer jusqu'à 10. Donc vous pouvez jouer avec vos amis en multi, c'est génial. C'est parti, le jeu se lance, il y a une cinématique de début. Je vais vous traduire. Eh hey, regardez, c'est déverrouillé. C'est notre chance. Allons-y, faufilons-nous avant d'être repérés. On n'a pas le droit normalement. Regardez, waouh, c'est beau. Voilà, c'est ça, le Playtime Co. Superstore. Je n'arrive pas à croire qu'on est enfin là, qu'on est vraiment là. Ouais, il y a une vibe un peu bizarre à cet endroit. Je suis content qu'on ait acheté une caméra, qu'on ait amené une caméra. Personne ne va croire ce qu'on va voir. Il filme toute l'aventure. Vous avez entendu les histoires, hein, à propos de cette intelligence artificielle qui contrôle cet endroit. Ils ont dit que j'ai pas le temps. Oh, ça va vite. Allez, on va prendre les vidéos, on va filmer et on s'en va voir un peu ce qui se passe dans ce magasin qui est contrôlé par une intelligence artificielle. Donc ça, c'est nouveau. Donc, que je vous dis au début de vidéo. Waouh, on a ramassé la carte bleue. Et maintenant... oui, waouh. Et donc, bah, c'est nouveau. C'est un nouveau chapitre et c'est un nouvel endroit. Et c'est des nouveaux... oh, c'est grand. Oh, c'est ça? Ouais. Oh, des visiteurs! C'est l'intelligence artificielle. Je n'arrive pas à me souvenir la dernière fois qu'on a eu des invités. Vous êtes venus pour le tour, n'est-ce pas? Eh bien... oui, non. Là, on dit qu'on doit partir parce qu'on a peur de l'intelligence artificielle. Partons d'ici, vite! Oui, bah, il est trop tard. Hein, vous êtes... partir? Mais... mais quoi? Vous venez d'arriver? Oui, bah, finalement, c'était une mauvaise idée. La porte s'est fermée. D'accord. La porte! Oui, d'accord. C'est la porte qui s'est fermée. Quoi? On est tombé par terre? Ah, on a fait tomber la caméra. Ah bah, c'est dommage. Oh non! Y'a Huggy Wuggy qui se réveille! Oh, oh là 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 là! Oh bah, super! Maintenant, on est coincé. Oh, c'est moi! Coucou! Regardez! Regardez! Il y a la pièce des employés! Je pense qu'il y a un téléphone qu'on pourrait utiliser. Ah, on dirait que ce scanner est connecté à cette batterie. Il faut trouver pour trouver des piles. Il faut chercher. Ok, alors là-dedans, il n'y a pas de piles. Ah, là, il y en a une. Ploup. Ok. Et... ah bah si, il y en avait une. Il y en a trois déjà dedans. Alors attendez, parce que il y a des petites poupes. What? Ah, j'ai fait du bruit. D'accord, quand on marche sur les... sur les jouets, ça fait des petits bruits. Oui, on a ouvert la porte. Waouh. Ok, c'est vraiment bien refait, hein, par rapport au vrai. Oh, un grab pack. Je pense qu'on peut l'utiliser pour ouvrir la porte. Oh, il y a le vrai grab pack dans le jeu Roblox. Waouh. C'est génial. Ok. What? J'ai ramassé un crayon? Non. Ok, les ballons. On peut les faire bouger, regardez. Wouhou. Non, on les éclate. Ah non. D'accord. Ils volent. Ouh, d'accord. Waouh, c'est des ballons à l'hélium et ils sont en l'air. Ouais, c'est super bien fait. Hein. Trouve les fusibles. D'accord, mais il y a un gâteau qui est pourri moisi. Oh, une cassette. Ok. Bon, alors attendez, est-ce que ça marche? Tit, ça marche comme dans le vrai. Waouh! Exceptionnel. Qu'est-ce que sont que ces pôles? Bah, si vous avez fait le chapitre 1 de Poppy Playtime, eh bien, vous connaissez, bien sûr, ces pôles. Oui! C'est bon, il y a un petit peu de bug, de collision, mais ça va. Ici, on a... waouh! Waouh! Il y a carrément un petit manège dans le magasin. Non, il y a plus qu'un manège. Cet endroit est immense! Ouais, je confirme. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi? C'est des tables? Ha! Vous avez vu? Je vous avais dit que ça valait la peine de venir ici. Oh, il y a une piscine à boules! Wouhou! Alors... ah bah non, il n'y a plus Huggy.
Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Il nous conseille d'appuyer sur Shift pour courir. On va devoir courir? Oh non, les fusibles ont grillé. Oh, c'est tout noir maintenant. C'est quoi ce bruit? Oh, ok, on va... Oh non! J'espère que c'était juste un tuyau rouillé. Bah non, c'était pas un tuyau rouillé. Bon, attendez, on peut courir. Waouh! Alors quand on court, hein. Ah! On peut pas courir en illimité. Au bout d'un moment, ça s'arrête. D'accord. C'est bon à savoir si jamais on est coursé par un ennemi. Désolé, je parle du nez. J'ai encore mes allergies. Dès que je commence à filmer une vidéo, j'ai mes allergies. Bizarre. Mais c'est comme ça. Alors, on a le tableau des fusibles. Bonjour! Oui, mais on n'a pas les fusibles. Ah, c'est une blague! Faut-il trouver les fusibles? Bien sûr. Où sont-ils? Je ne sais pas. Attendez, faut peut-être interagir sur la boîte. Non, faut vraiment trouver les 8 fusibles. Ok. Ok, alors je ne sais pas à quoi ils ressemblent. J'imagine à des sortes de petites piles. Et il faut fouiller vraiment partout. Ah, mais on les voit, ils sont en surbrillance. Ok, ils nous aident un peu, heureusement. Ouais, attends, c'est tellement grand, regardez. Ils sont partout, partout dans la map. Oh, il y a le petit robot. Et il y a Kissimissi en version Roblox. C'est trop cute. Oh, oula, elle est grande. C'est pas très cute, hein. Oui, j'ai un fusible. Alors, on va d'abord prendre tous ceux qui sont à ce niveau bas. Oh, il y a une fenêtre. Oh non, faut que je fasse le tour. Au niveau bas. Oh non, mince. Mais il n'y a pas d'ennemis là, pour l'instant. Je peux marcher. Oh, il y a un Huggy Wuggy géant. Waouh. Alors, on a un deuxième fusible là. Est-ce que... Ouais. Attendez, je peux le ramasser avec mon grab pack. Il est passé. Oui. Mais c'est génial. Ça fonctionne, il y a des poubelles. Bah par contre, il y a plein de... Quoi ce bruit? Mais il était là. D'accord. Alors, on a possibilité de reviver, regardez. Et je sors d'une machine à boules comme ça. Mais je pense qu'au bout d'un moment... il faut payer pour reviver. Bon, on verra. Donc, il faut faire attention. Parce que Huggy Wuggy est dans la place. D'accord. Et rec. Alors, ne pas marcher sur les jouets, bien sûr. Ok. 1, 2, 3. Poulala! On peut se cacher là? Comment je fais? C'est mal barré. C'est quoi ça? C'est des fusibles? Je sais pas où aller. Je sais pas comment faire pour me cacher. Il me fait trop peur. Ça, on dirait des cachettes, mais non. Ah! Il est derrière moi! Il faut que je monte! Il faut que je le sème, là! Je peux pas perdre une vie encore! On va aller en haut, hein, d'accord? Je cours, mais je peux pas courir à l'infini, alors... Eh! Yaiou! Je l'entends, il est derrière moi! Ah! Ok, je vois la barre de courir en bas. Ah! Il m'a laissé, d'accord, il monte pas. Oh, bah oui, bien sûr! Quoi? Ah, je peux pas en prendre plus que... D'accord. Il faut que j'aille les poser à chaque fois en bas. Mais il est là. Oh là là. D'accord, il faut que j'aille les poser à la boîte. Mais c'est dur. Waouh. Zut. Salut. Laisse-moi tranquille. Est-ce que je peux sauter par là? Non, il y a une vitre. Ok. Oh là 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 là, c'est compliqué, hein. Yes. Ok. Ah. C'est faux! Il n'a pas pu sauter par la rambarde! Ok, j'ai mis 5 fusibles pour l'instant. On peut transporter 3 fusibles à la fois. Bah, il m'en manque 3 en fait. Ouf! Ouf. Ok, j'en ai 3. J'ai plus qu'à amener les 3 fusibles en bas. Ah, mais il y a tellement de poupées là. Ok, là! On y va, on y va, on y va. Cours! Cours! Ah! Ok. Et 8! Yes! On passe. Qu'est-ce qu'on a? Bravo! Ça a ouvert la porte. Mais l'énergie n'est pas revenue encore. Ah, mais bien sûr! C'est quoi cet entrepôt géant? Ok, le générateur maintenant. Pouvoir! Qu'est-ce qu'il faut? Ah, d'accord. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut les placer, les tuyaux. C'est ça le problème. Il m'a vu, il est juste là. Wasayi Wani! Le problème, c'est que je sais pas où il faut connecter. Oh non! Alors, je vais ouvrir cette porte. C'est là, en fait. D'accord. Ok. Il y a Huggy qui est là. Bon, j'ai l'impression qu'il est coincé. Alors, attendez.
3 sur 8. Ok, il en manque 5. Mais c'est bien parce que... Je crois que Guy, il est coincé derrière les poteaux. Oui, on a coincé Guy. Alors. 1. 2. Non, c'est 2 par 2. Ok. Voilà. 5. Plus que 3. Non. Il s'est décoincé. Oh, le coquin. Oh, le coquin. Je suis coincé. What? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'en ai un. Yagi! Vite, cours, mon petit! Va là-bas! Vite! Ok, reprends ta respiration, sprint! Ok, reprends ta respiration, sprint! On va l'amener ici, il était coincé là, alors, hein, voilà. Ah! Ok. Vite. Ok. Encore. Oui. Voilà. Non, 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 non! Arrête! Il faut faire les valves. Je sais pas où sont les valves. Je m'en vais, je m'en vais. Au secours. Il est derrière moi. Est-ce que je les semais? J'ai bien l'impression que oui. Mais non. Ah. Bon. Faut que je fasse les valves. J'ai fait les valves. Wow. Ça a fait un laser. Il faut diriger. Non mais attendez. Oh là là, il faut diriger les bons rayons. Oh. Tout ça avec Guy? Non mais ça va, oui. Bon, eh ben je vais essayer. Sauf que là, bien sûr, j'ai fait plein de bruit. Évidemment, je suis d'une discrétion discrète. C'est horriblement difficile. Ah ok, quand c'est vert, c'est que c'est bon. D'accord. Non. Ouais, c'est vert. Vous avez vu? Il faut faire tourner le truc jusqu'à ce qu'il devienne vert. Ok, c'est plutôt facile du coup. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, ça aurait été complètement galère. C'est vert. Yes. Il faut que j'enlève ça. Yeah, la porte est ouverte. Oh, oui. Ok, on est dans une nouvelle zone. Super, on est dedans, bien sûr, bravo. Alors, du coup, on peut pas fermer la porte. Non. Trouve la carte rouge. Eh bien, elle est là. Ploup. Ok, c'est une carte rouge. Ah, manager office. Je sais où c'est en haut. Il faut qu'on monte. Alors, on va essayer de monter sans se faire attraper, bien sûr, comme d'habitude. Allons au bureau du manager. Manager's office. On y va, regardez. Ça, c'est là où on sort quand on revive. Vite, 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 quand même. Hein. Voilà, oui. Hein. C'est un univers tout rose. Ah, bonjour. Ah, voilà. On est ici. Oh, il y a un coffre. Oh, il faut trouver des morceaux de puzzle. Et un code. Oh, ok. Donc, il y a 9. Ok, donc sur les 3 autres, il y a des chiffres. D'accord, donc il faut trouver des bouts de puzzle. D'accord. Ah, mais là, ils sont où? Parce que 3 bouts de puzzle là-dedans, comment vous dire, ça va être très compliqué. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il peut y en avoir à l'étage? Trouve les morceaux de puzzle. Où sont les puzzles? Youhou. En plus, est-ce qu'il y en a plus que 3? Est-ce que genre il y en a avec où il manque des chiffres? Où il n'y a pas de chiffres du coup? Pourquoi j'ai pris un fusible? On s'en fiche. C'est pas la mission des fusibles, c'est la mission des puzzles. Alors attendez. Là-bas, c'est le puzzle. Mais j'ai pas les morceaux. Est-ce qu'ils sont en bas? Mais en bas, il y a un Guy. Et moi, je veux pas aller en bas avec un Guy. Ah, c'est quoi ça bas? Oui, il y en a un en haut, regardez. Voilà. Alors, je vais tester déjà, voir si c'est ça. What? Oh! Mais comment ça? On peut gagner, on peut garder qu'une seule partie du puzzle à chaque fois? Mais c'est tout petit! Et un. Ploup. 8. Heureusement que tous les morceaux de puzzle ont des chiffres, hein, parce que sinon, ça aurait été galère! Voilà! Alors, qu'est-ce que ça va être comme chiffre? Un petit 7, un petit 1. Très bien. 8, 6, 1, 9. On va essayer ça. 8, 6, 1, 9. Oui! Oh! La carte noire. Ah, ça dit sécurité, donc c'est la pièce de sécurité. C'est où déjà ça? Oh! S'il y a quelque part, c'est là-dedans. Donc il faut qu'on y aille. Sauf que je ne sais pas où c'est. C'est là-bas. C'est là-bas. Donc ça reste ici, à cet étage. Super. On est là, on est là. Coucou, c'est moi. Youpi! C'est par là? Oh, cinématique, cinémathèque. Ah!
Je n'arrive pas à croire que vous êtes tombé dans mon piège. On est piégé. Ah bah ça c'est dommage. Sécurité. Non, pas lui. Cours. Ok. Bah je cours. Je fais que ça. Sauf que là je peux plus courir. Ok. Ok. Encore. Encore. Je suis coincé. Sérieusement? Oh, c'était là. Bah il est où? Il est parti? C'était là. J'ai réussi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller là? Ok. Et après? Quoi? Je sais pas quoi faire. Faut casser ça? Laisse-moi passer. Je suis coincé. Mais... Ok. J'ai activé un truc là. C'est ça? Non? Mais quoi? Super, le jeu a bugué. Donc tout ce que j'ai fait là, bah c'est ça. Non! En plus, on voit derrière, regardez. On voit qu'il y a l'IA derrière là. On la voit derrière. J'étais à deux doigts de passer. Oh! Je suis passé par là. C'est normal ça? Non, c'est pas normal. J'ai pas de revive maintenant. Non! J'ai tout refait hors caméra parce que je pouvais pas m'arrêter là. J'ai récupéré la carte de la sécurité et on va faire la course poursuite. Et j'espère que cette fois-ci, il y aura pas de bug. Hein. Bien sûr, on va essayer. Bon, après, moi, je vais essayer de faire la même chose. J'avais rien fait de mal, moi, je comprends pas. Donc, on attend ici, il va y avoir la cinématique et on va se faire courser, bien sûr. Est-ce qu'on peut skipper? Non, puisque ça va être la course poursuite. Là, là, là. Mais rappelez-vous, il faudra qu'on tourne à droite à un moment donné. Hein. Oui, là où il y a la porte, il faut que je tourne à droite et non pas que j'aille à gauche. Ok, on y va. C'est parti, course poursuite. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok. Ok. Ok, c'est là. C'est là. Ok, je suis dedans. D'accord, en fait, c'était pas du tout le monde l'endroit où je devais aller. Il y a eu un énorme bug tout à l'heure, c'était pas du tout l'endroit où je devais aller. Mais maintenant, j'ai déclenché ceci. D'accord, je comprends mieux. Ok. Ah. Et maintenant, il faut que je fasse ça vite. Ok, je comprends mieux. Il y a eu un bug à l'accès de cette pièce. Alors, je fais ça. Ça, ça et ça. Allez. J'ai allumé, oui, ça fonctionne. Regardez, on a allumé les moniteurs. Ah, ça clignote, quoi? Ok, il faut que je... Ok, il faut que j'appuie là où il apparaît. D'accord. Ça me rappelle un certain jeu. Ok. Je comprends pas. Wow. Calmez-vous, il y en a trop. Moi je peux pas, je suis tout seul hein. Oh. Je suis tout seul à faire ça. Ok. Là. J'ai fonctionné. Ça a ouvert. Ok. Ah, c'est qui lui? C'est lui le boss. J'ai gagné. Pourquoi il me met au lobby? J'ai gagné. Wouh! Ok, bon, moi j'ai bien fait de recommencer. C'était bien un bug à la fin. Vous l'avez vu, en tout cas, pas facile à faire tout seul, mais faisable. Mais très sympa. Une nouvelle aventure dans l'univers de Bobby Playtime. Super. Ah! J'ai accès à la pièce de simulation. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Regardez. Oui! Bonjour! Ok. Non, merci. Ah, ça coûtait 0? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Pièce 1, pièce 2, pièce 3. Ok. Ah, regardez. C'est des trucs de test. Alors, on va tester le C. On va voir. Simulation Room 1. Ok. Testing dialogue. D'accord. Donc, en fait, vous voyez, c'est des créations qui sont faites par des gens. Et... on peut mettre des objets et on peut créer soi-même les niveaux. Waouh. Ok, donc là je fais un test.
De quelque chose où il n'y a rien du tout, en fait. D'accord. Ah, j'ai retrouvé la casquette. Elle est là, c'est zéro. Oui. J'ai la casquette. Oui. Super. Bon, le reste, c'est payant, hein. Regardez, ça, c'est 119. Non merci. Alors, est-ce qu'on peut créer les niveaux? Build mode. Vous vous mettez en build mode. Et là, on est dans la création suite. Merci de m'avoir aidé plus tôt. J'ai perdu mon esprit. Maintenant, je vais t'aider. Donc ça, c'est l'outil de tampon. Tout ce dont tu as besoin commence ici. Il nous montre un peu le tuto. Mais moi, je vais essayer. Waouh. Ok. Donc, stamper. Oh, de la décoration. Vous voyez, vous avez plein d'objets. Ça, par exemple. Et je peux le rotater. Il est où, mon tampon? Là. Je le place là. Eh bien, regardez. On peut le pivoter dans tous les sens. Alors ça, je sais pas comment on le déplace. Mais en tout cas, voilà. On crée ces niveaux. Moi, je vous avoue, j'ai pas la patience de créer un niveau comme ça. Mais vous pouvez créer un niveau. Et ça, c'est génial. Et vous pouvez aussi jouer au niveau des créateurs, bien sûr. Et voilà pour ce jeu qui est très complet. Vous l'avez vu, il y a un mode histoire qui est un peu difficile si on joue tout seul. Mais si on joue à plusieurs, c'est sympa, c'est un peu court. Mais il y a du défi, du challenge. Surtout, c'est un nouvel univers dans ce supermarché de Poppy Playtime. Et c'est avant tout aussi un mode créatif où vous pouvez créer des niveaux et jouer au niveau des autres créateurs. Et ça, c'est génial. Donc, pour l'instant, c'est le début, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Mais j'ai hâte de voir ce que les gens vont créer dans ce jeu. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez l'intention de faire Poppy Playtime sur Roblox. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et avant de partir, regardez une autre vidéo d'Eddie Remax. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!